On sort de deux matchs difficiles à l'extérieur où ça fait un petit peu bouger à Clermont, à Toulon. Voilà, on a essayé d'être fort en conquête, ce qu'on a réussi à faire sur les ballons portés. On avait été mis en difficulté à le match aller. Là, on les a mis en difficulté, je pense, cet après-midi. Et on a réussi à produire du jeu et marquer des essais. Ça fait plaisir au moral, ça fait plaisir à tout le monde. Mais comme l'a dit le coach, il faut rester humble, c'est qu'une victoire. Oui, je vois qu'il y a... On a fait la première mi-temps proche de la perfection, à part sur les dix dernières minutes il y avait du coup à faire, on les a mal négociés, même si c'était dans notre camp. On a fait la deuxième mi-temps maîtrisée, je crois qu'on a dégagé de la solidité, on a dégagé de la force. C'est un équipe que moi de l'extérieur, c'est une équipe qui a dégagé de la puissance, de la maîtrise, c'était bien. On voulait faire un match sérieux, un match, je crois qu'on avait des choses à se faire pardonner devant nos supporters. Moi, les matchs de la semaine dernière, je ne l'oublie pas. Et on a fait des matchs qu'on doit faire. C'est une équipe qui est... Aujourd'hui, il a respecté son identité, et qu'il a mis de l'engagement, mais en plus, il a mis un peu, il a mis de rugby. Mais il faut rester très humble, parce qu'on passe d'un super match contre Lyon à faire une bonne deuxième mi-temps contre Clermont, un match contre Toulon, c'est un match à oublier, mais qu'il ne faut pas oublier, parce que ça permet de se remettre en question en permanence. Mais c'est pour ça qu'il faut rester très humble. On a pris énormément de plaisir. On voit que quand on se met dans l'avancée, tout de suite, il y a les automatismes qui arrivent. Et c'est une très bonne victoire qui nous permet d'espérer pour se qualifier. On sait qu'il nous faut gagner, qu'il nous fallait gagner ce match et le match à Worcester. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, on va se concentrer sur Worcester.